Et les pyramides, Jamie, ça n'a pas été construit par les Égyptiens, ça a été construit par les Chinois! D'où viennent les planètes? Pourquoi les trous noirs sont noirs? Un ovni! Des extraterrestres? Un ovni! C'est le grand retour d'Hugo dans le blind de science. Hugo, de retour pour la saison 3. Diggle partout, comment ça va? Salut Pierre, ça va et toi? Très bien, pour ton grand retour, tu nous parles de l'effet Mandela. Eh oui Pierre, très heureux de reprendre mes bêtises à l'antenne avec toi et l'équipe. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet Mandela Ça fait longtemps que je me suis intéressé à ce phénomène parce que c'est très drôle et très intrigant. Il y a de nombreuses situations et de nombreux exemples à travers les époques qui illustrent l'effet Mandela. Mais si c'est drôle, c'est surtout en fait très déconcertant. L'effet Mandela, ça a été popularisé par Fiona Broom dans son ouvrage Real Life or Memorex il y a quelques années. Bon, Déjà, avant de vous l'expliquer, l'effet Mandela, je vais vous expliquer que cet ancien, cet ancien président vient faire là-dedans. En fait, il y a 20 ans, aux États-Unis, il y a eu une croyance collective comme quoi Nelson Mandela serait mort en prison dans les années 80. Donc, je ne sais pas si vous pensiez ça, mais en tout cas, moi, j'en faisais un peu partie. Alors qu'évidemment, c'est totalement faux, puisqu'il a eu le prix Nobel de la paix en 1993, qu'il a été président de l'Afrique du Sud entre 1994 et 1999, et qu'il est en fait mort en 2013. Donc l'effet Mandela, on peut résumer ça comme étant une fausse croyance, un faux souvenir, mais qui a la particularité d'être collectif. Car beaucoup pensaient que Mandela était mort en prison, alors qu'évidemment cette scène n'a jamais été filmée ni diffusée. Le cerveau crée donc chez nous un souvenir qui finalement n'existe pas, et c'est là où c'est vraiment intéressant, car l'effet Mandela, c'est avoir un souvenir erroné d'un événement. Et dans l'exemple, Mandela, c'est une chose, mais en fait, il y a d'autres exemples beaucoup plus drôles et beaucoup plus flagrants au cours des années pour douter de la féracité ou non de l'effet Mandela, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Fiona Broom, dont je vous parlais tout à l'heure, a abordé ça dans un livre, car elle fait partie de ces personnes qui croient à l'effet Mandela. Elle en a parlé sur des forums et des blogs pour essayer de réveiller les consciences. Et oui, est-ce que cette mort est effectivement un souvenir collectif erroné Ou est-ce que c'est un bug dans la matrice N'hésitez pas à à en parler hein, sur la page de Collective, me dire ce que vous en pensez, parce que ceux qui adhèrent à ce concept, et j'en fais plus ou moins partie, sont en fait sûrs que la réalité est différente des souvenirs que nous avons. Ou bien le fait que plusieurs mondes parallèles existent, avec des petites différences au cours de l'histoire, et des mondes visités par les partisans de l'effet Mandela. Une mémoire donc à plusieurs réalités, car Fiona Broome n'en démord pas, elle est persuadée que Nelson Mandela est mort en prison en 1980, et ce qui lui permet d'en être sûr, c'est qu'elle a des souvenirs précis. Elle se rappelait du JT de ses funérailles, du deuil en Afrique du Sud, des émeutes urbaines et un discours de veuve, alors qu'au final, rien de tout ça n'a eu lieu. Et comment alors Fiona Broom a été médiatisée Eh ben, elle s'est rendue compte qu'elle était loin d'être la seule à se rappeler de ça. Donc pour elle, c'est évident qu'il ne s'agissait pas d'un simple défaut de mémoire collective. Elle a ensuite fait des recherches et elle a découvert qu'il y avait des cas similaires dans l'histoire, la géographie, le langage et la culture et donc elle a recueilli d'autres différences entre l'histoire communément admise et la version selon certains groupes de personnes. C'est bien qu'à partir de 2009, une véritable communauté est né pour aborder l'effet Mandela. Donc cette communauté regroupe des personnes qui ont des souvenirs précis. Il y a des événements et bien réels selon eux. Donc ça, c'était pour Mandela. Mais évidemment, ce n'est pas le seul souvenir erroné. Il y a beaucoup d'autres exemples, notamment le fait que beaucoup croient que John F. Kennedy a été assassiné dans sa voiture avec trois personnes, dont sa femme, le gouverneur et le conducteur. Mais en fait, quand on regarde les photos et les documents, il y avait six personnes dans la voiture. Mais l'illusion collective vient du fait qu'on ne voit pas forcément qu'il n'y ait disposition particulière dans la voiture, avec notamment plusieurs pare-brises. Un autre effet Mandela est dans les Disney, avec la phrase de Blanche-Neige, la reine, Cette... la phrase de la reine qui a été déformée. Beaucoup pensent qu'elle dit miroir, miroir sur le mur qui est la plus belle. Pourtant, la vraie citation, c'est miroir magique au mur qui a beauté parfaite et pure. Un autre. Vient évidemment de Star Wars, avec la fameuse phrase euh, Luc, je suis ton père, prononcée par Dark Vador, et pourtant la vraie phrase est juste Non, je suis ton père. Bon, je pourrais continuer longtemps, hein, je vous invite à les découvrir, mais en fait, là où ça va beaucoup plus loin, c'est que Fiona Broom et son groupe croient dur comme fer au fait qu'il y ait des réalités parallèles, du fait que les souvenirs qu'ils ont sont différents pour ce qui est noté dans les livres d'histoire, les journaux ou les archives, et que les personnes victimes de l'effet Mandela auraient glissé entre ces différentes réalités sans vraiment le réaliser. Et donc, elle ne veut surtout pas se faire taxer de quelqu'un qui a des faux souvenirs ou qui est complotiste, puisqu'elle est persuadée que ses mémoires alternatives sont la preuve qu'il y a plusieurs réalités parallèles qui interfèrent de temps en temps. Et pour les membres de cette communauté, ces sauts quantiques seraient le résultat de la conscience collective ou bien des effets secondaires liés à des expérimentations du CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Selon cette seconde explication, les expérimentations auraient pu modifier la structure de la réalité. Fiona propose donc la théorie, qu'à chaque fois qu'un état quantique est observé, la réalité se divise et une nouvelle version continue parallèlement à celle qu'on connaît, et donc cela donne des choses que l'on pense vraies, mais qui sont fausses. On pourrait donc penser que dans un univers, Mandela est bien mort en 2013, mais dans une autre réalité, Mandela est mort en prison en 1980, comme dans une autre réalité. Dark Vador aurait dit « Luc, je suis ton père ». Alors, y a-t-il d'autres explications à ce phénomène Oui, Pierre. Si j'ai parlé des univers multiples, il y a d'autres théories qui pourraient expliquer l'effet Mandela. Bon, certaines sont plus crédibles que d'autres, hein, comme la théorie de la manipulation. Notre esprit serait manipulé par les marques et les gouvernements, ce qui donnerait des pensées erronées. Mais la plus plausible, qui résumerait l'effet Mandela, serait une faille dans la mémoire, un dysfonctionnement en quelque sorte, qui provoquerait le trouble, ou encore la théorie de l'auto-incitation. C'est-à-dire que des personnes vont se créer des souvenirs selon les situations et il y aura un lien logique de notre cerveau lorsque notre mémoire nous fait défaut. Le cerveau va combler les trous, mais là finalement, il va nous tromper. Voilà. Vous savez ce qu'elle est fait Mandela, qu'on pourrait considérer comme un espèce de bouche à oreille erronée, mais à l'échelle mondiale, ce qui va expliquer le caractère collectif des faux souvenirs qui sont contagieux. Une personne va les évoquer et va en contaminer d'autres par ses erreurs ou ses inexactitudes. Donc c'est pour ça qu'un groupe entier va se partager de toute bonne foi un souvenir qui n'existe pas. Mais j'espère que les explications plausibles ne vont pas vous fermer la porte. Alors votre imagination, effectivement, il y a plusieurs... Univers, peut-être pourquoi pas, on vivrait alors tous dans des mondes plus ou moins parallèles avec des souvenirs différents. En tout cas, j'aime bien cette idée dont euh, on ne partagerait pas avec la même personne la même version ou la même conception du monde qui nous entoure. Pourtant, en apparence, on habite bien dans le même monde. Et les pyramides, Jamie, ça n'a pas été construit par les Égyptiens, ça a été construit par les Chinois. D'où viennent les planètes Pourquoi les trous noirs sont noirs un ovni des extraterrestres, un ovni! Merci Hugo pour cet effet Mandela. Alors, il euh, y a un effet Mandela aujourd'hui euh, que Nolan a voulu mettre dans son film Tennet. Il peut en parler à travers ça. Pour lui, par exemple, le retour dans le temps n'existe pas. On va dans un autre univers. C'est ça, tout à fait. Bon, je vais pas spoiler, hein, mais euh, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas C'est totalement ça. C'est totalement ça. Mais l'effet Mandela, ça va plus être des. Des, des choses qu'on pense vraies et fausses. Je vais pas donné trop d'exemples, hein, mais notamment, par exemple, il y a aussi, j'aime beaucoup celle-là, la, la tenue de Mickey. On pense que Mickey a des bretelles parce qu'il a des boutons à son, à son pantalon, mais non, il a juste des boutons sans son pantalon, ce qui est complètement euh, con. Mais, mais, euh, mais voilà. Complètement con C'est complètement <laughs> con Mickey, et Pikachu n'a pas elle a la queue toute jaune, alors qu'on la voit, euh, la queue avec un bout euh, si je marron bien, ou noir. Cet effet Mandela, ça serait que il euh, y a eu une sorte de changement dans la temporalité. Donc, si on regarde une archive, on verra bien qu'il y a eu ce changement. Pourtant, notre cerveau est persuadé, quand on l'a vu en 90, par exemple, ce premier Pikachu, ça. que ça s'est passé comme ça. C'est ça, tout à et fait. Et on n'a aucune preuve du fait que ça, que ça a été, été modifié. Comme ça. Ouais. Bien sûr. Ouais. Mais l'une des plus flagrantes, par contre, c'est Kennedy parce qu'effectivement, on, on pense tous une voie, même, On voit très bien la longue voiture qui, qui roule et que, voilà, Jackie Kennedy va sur le capot et chercher le bout de tête de son mari. Mais au final, on voit on est Comme on est focalisé là-dessus, on ne voit pas que la, non seulement la voiture fait 15 mètres de long, mais elle fait surtout 15 mètres de long parce qu'en fait, il y a deux parabrises et qu'il y a six personnes dans la voiture. Alors que, bah voilà, c'est plein, 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 plein de choses comme ça. Des, 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 des choses qu'on pense avoir vues alors qui sont, qu sont totalement fausses. Et, et Mandela, pour le coup, je, je trouve ça bien fait enfin, d'appeler de, de, ça l'effet Mandela parce qu'effectivement. Je faisais partie de ceux qui pensaient que Mandela était mort en prison en 1980. Enfin, pas forcément en 1980, mais qui était mort en prison. Alors que pas du tout, puisqu'il a fait plein de trucs après. C'est surtout après sa prison. Il y a cette fameuse histoire du voyageur du futur euh, qui a interpellé tout le monde sur un blog en disant qu'il venait euh, des années 2030 et qui prévenait de ce qui allait se passer. Tout à fait. Et quand on regardait ce qui se passait peu à peu, ça ne concordait pas. Et lui dit, non, forcément, je viens d'un autre univers. Bah, bien sûr. <laughs> c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, l'effet Mandela, bon. c'est des sciences. Bon, évidemment, c'est des théories, euh, voilà. Mais c'est, voilà, je trouvais ça marrant d'en parler euh, dans le retour du du de science avec vous sur collective. Merci beaucoup Hugo. Merci.